Macaire, responsable du SCOS. Il est également notre, je ne sais pas si on peut dire, parrain, tuteur. Ami en tout cas. Ah, c'est gentil. saluer aussi M. Mancini pour le contrat de quartier de la cité. Saluer Mme Ortelli. Angela, oui, ancienne trésorière, ancienne comptable, madame, et mon mot d'honneur. Merci, madame. Oui, madame. Et je voudrais aussi remercier ceux qui ont eu la courtoisie de s'excuser. Parmi eux, il y a nos conseillers administratifs, retenus par une séance, ainsi que le bureau du conseil municipal, là aussi retenu par une séance. Donc, on va débuter cette assemblée générale. Est-ce que tout le monde a bien signé la feuille de présence? Merci. Point de nomination d'un secrétaire de séance. Sandra, est-ce que tu veux le faire? Oui. Ah ben, merci beaucoup. je signale également que pour faciliter la mise en forme du procès verbal, l'Assemblée générale est entièrement enregistrée. Point 3, nomination d'un scrutateur. Frédéric. Merci. Bon. Pas trop vite, pas trop vite. Point 4. Présentation et approbation du procès verbal de l'Assemblée générale de l'an dernier. Lorsque vous avez reçu l'invitation pour cette Assemblée générale d'aujourd'hui, le PV de l'Assemblée générale de l'an dernier était joint. Il y en a aussi une ou deux copies sur les tables. Est-ce que vous voulez qu'on procède à la lecture? Il y en a ou des remarques? Ok, alors on va voter. Qui accepte? Bonjour, le rapport de la présidente. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers membres, me voici à nouveau devant vous pour vous parler du bilan annuel de notre association. C'est le 7e épisode de notre feuilleton. Il est fort agréable de constater que cette année encore, l'atmosphère a été des plus cordiales, que ce soit parmi les convives ou entre nos cuisiniers. L'ambiance est bonne enfant, voire même conviviale. Le seul bémol est encore et toujours le manque de convives. Nous ne sommes qu'une grosse vingtaine à nous retrouver les mercredis. Parfois, nous frisons la trentaine. Comme hier. Hier, on était juste 30. Mais sur la population de plus de 5000 habitants que compte notre cité, c'est quand même bien peu. L'an dernier, nous avons tout de même servi près de 1100 repas. Pas mal. Nos soupes, potages ou autres goûters sont tout particulièrement plébiscités. Ah, je voudrais à nouveau vous rappeler le but de notre association. Permettre que des personnes de tous bords, de tous horizons, qui ne se connaissent peut-être pas,
Ce retour autour d'un bon repas, à très bas prix, pour se rencontrer, se parler, apprendre à se connaître, apprendre à connaître l'autre dans toute sa diversité, et ainsi faire diminuer, voire disparaître, le sentiment d'insécurité que ressentent monsieur et madame tout le monde face à l'inconnu, face aux inconnus. Nos repas sont destinés à tout le monde, sans discrimination d'aucune sorte. Enfants, jeunes et moins jeunes, travailleurs, retraités, chômeurs, tout le monde est bienvenu, dans le respect de la vie en communauté et de la bienséance comme il se doit. Et je vais à nouveau vous exhorter à pratiquer le bouche à oreille. Parlez de nous autour de vous, à vos voisins, à vos amis, à vos familles. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons accueillir de nouveaux convives pour continuer notre petit bonhomme de chemin. Que pouvons-nous faire de plus? Si quelqu'un a des idées, merci de nous en faire part. Dans le courant de cette année, nous aurions dû refaire un tout ménage en changeant la présentation. Malheureusement, nos comptes ne nous le permettront sans doute pas. Nous devions faire imprimer une banderole ou une enveloppe, ce que nous ne pourrons sans doute pas faire non plus. Dans l'entrée, côté route de Mérin, donc ici, nous avons installé un chevalet avec une ardoise pour annoncer le menu du jour. Nous essaierons de le rendre un peu plus visible avec des ballons colorés. Pour le reste, le comité verra comment procéder, car en plus, nous devons être visibles tout en restant discrets pour ne pas heurter M. Rodriguez, le patron du paradoxe. C'est cela notre paradoxe à nous. Dans le courant de l'année passée, nous avons contacté l'association des parents d'élèves pour leur offrir des repas aux membres du comité et mieux nous présenter à eux. Le menu du jour leur a particulièrement plu lorsqu'ils sont venus. Ils ont promis de revenir, mais on ne les a jamais revus. Nous avons également contacté la maison de quartier, les veilleurs de nuit, n'ont même pas daigné nous répondre. Mais nous continuerons à procéder de la sorte auprès d'autres associations pour essayer de faire bouger les choses. Comme les années passées, l'association a offert des repas à quelques SDF. Ainsi, l'an dernier, nous leur avons offert une trentaine de repas, ce qui ne grève aucunement nos finances. Nous avons tout de même eu le plaisir de voir revenir les enfants de la maison du quartier. Ils sont certes un peu plus brillants ou remuants que nos convives habituels, mais c'est tout de même une grande joie pour nous. Grâce à la subvention de la mairie, que je ne saurais jamais trop remercier, nos repas resteront encore au prix de 5 francs malgré la hausse des prix des diverses denrées. Et puis l'an dernier, nous avons eu l'agréable surprise de recevoir un don substantiel de l'ex-macar. Notre trésorier nous en dira plus. De qui? L'ex-macar. La maison. L'artisanat communal amateur de Vernier. Voilà, merci. Qu'est-ce que ils ont fermé l'association, et puis comme ils avaient un peu de. Ils ont fait des dons à diverses associations, comme nous. Et puis, notre tirelire sonne un peu moins creux que l'an dernier, grâce notamment à deux commandes qui mettent régulièrement des gros sous dans cette tirelire. Je vous demande de les applaudir en guise de remerciement. Je vous rappelle que tout ce qui nourrit ce petit Mourin est considéré comme don pour notre association. Il est inutile que je m'étende plus longuement. Mais avant de conclure, je voudrais remercier infiniment pêle-mêle notre tuteur, M.
Monsieur Florian Quittenacker, qui a remplacé Monsieur Marco Bandel, pour l'aide qu'il peut nous apporter. Remercier également et de tout cœur la mairie pour le renouvellement de la subvention. Remercier aussi l'ex-MACAF pour leur don, sans oublier Monsieur Eddy Genoux, ses collaborateurs et le CEV, qui nous fleurissent régulièrement. Remercier Canal 29 pour la publicité qu'ils nous font chaque semaine. Remercier chaleureusement et très fortement la famille de Notra qui ont aidé en cuisine Frédéric pendant 3 mois. Ils sont toujours disponibles pour donner un coup de main et aussi pour tous les dons divers qu'ils nous font. Je voudrais aussi remercier le papa de Frédéric qui nous a offert ce beau frigo avec un petit congélateur. Et je voudrais remercier très vivement nos cuisiniers qui nous concoctent amoureusement, semaine après semaine, de délicieux repas. Oui. Le total des produits s'est élevé à
17 550 francs et 20 centimes contre 21 659 85. La grosse différence, c'est le don qui avait été de 8 821 l'année précédente et qui était que de 3 000 francs. Oh, c'est moche. De ce fait, quand on dépense pour un montant total de 23 673 francs 68 contre 15 712,98 l'année précédente, les principaux mouvements ont été les salaires et charges sociales des cuisiniers qui se sont élevés à 9 874 francs 23 contre 8 432 francs 38 l'année précédente. Les achats de denrées alimentaires et de poissons se sont élevés à 7 750 francs 65 contre 5 969 francs 60, soit une augmentation d'environ 1 800 francs. Ça, je ne peux pas vous donner l'explication, donc c'est juste Frédéric qui pourra nous dire s'il sait pourquoi il y a eu pour 1 800 francs le prix de la nourriture. Mais vu la qualité des repas, moi je m'en plains. Je peux faire une parenthèse et dire bon, je finis mon rapport. Oui. Il vous dit après. Non, mais les achats de l'air ont été plus élevés, 5 897 francs 30 contre 1182,10 l'année précédente, dû notamment à un investissement de matériel de cuisine vaisselle pour un montant de 2282,62, de la publicité, des flyers. 353 francs 53, de la parution dans des journaux pour des décès de gens connus de l'association et des frais pour travail de 1000 francs. À ce sujet, je me permets de proposer quelque chose pour rétablir l'équilibre du compte. Je vous rappelle juste que j'ai repris la comptabilité au mois d'août et que ces remarques ne sont pas dans un but négatif. Étant donné que je ne suis pas forcément au courant de tout le travail déjà fait par le comité ainsi que certains membres de l'association. Il faudrait peut-être, dans un premier temps, revoir éventuellement la politique des achats pour obtenir des prix plus avantageux dans le cadre d'achats en nombre ou que ce soit pour notre association, éventuellement avec des invendus comme hier, la micro et à l'heure. Voir si l'association est là. La présidente a déjà donné une partie de la réponse. On peut avoir une meilleure visibilité dans le quartier et environ pour que les rapprochements avec les associations de la commune soient développés un maximum. La troisième chose qui est tout à fait possible, c'est si vous trouvez éventuellement un trésorier bénévole qui me remplacerait, il y a autant de problèmes, je lui laisse ma place, quitte à l'aider de temps en temps à ce sujet. Voilà, je reste ouvert à toutes vos questions que vous avez à me poser. Sinon, dans le cas, je vous fais un chaussette à tous, une très bonne fin de soirée. Alors, je vois que les salaires des cuisiniers ont augmenté de 1 600 francs. Est-ce qu'il y a plus de personnes à la cuisine? Il y en avait... Il y avait 3 personnes. Payées au prix d'aide. D'accord. Et puis les honoraires comptables, jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Non. 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 Je vous invite à manger. Quand vous voulez. Vous non, vous je mange encore plus. Mais je rappelle que on a cherché pendant pas simplement de temps une personne pour prendre les comptes, qu'on n'en a pas trouvé. Que le bénévolat est une chose qui se perd, malheureusement, qui n'est pas très connue parmi la jeune génération. Ce qui fait que, en cherchant comme ça, à gauche et à droite, on est tombé sur Jean-Jacques. Non, vous êtes déjà retombé sur le judiciaire, ouais. Vous arrangerez. Ouais. Vous avez oublié le nom. Ouais. Mais bon, à la fin, on est tombé sur vous. On s'est pas fait mal. Non, mais c'est déjà essayé quand il est tombé sur moi, il m'a fait mal. Donc, il fallait que quelqu'un fasse ses comptes. On ne peut pas rester sans,
Sans comptable, ça, c'est pas possible. Donc, voilà. Oui, les prix. Les prix des achats ont augmenté. Oui. Ouais. Quand vous avez un Migros, les prix sont comme l'année passée. Je sais pas, je n'ai pas le Migros. Il est mignon, lui. Ouais. Et puis, on achète peut-être aussi de meilleure qualité. Comment non? Pardon. Pas fonctionnement. C'est de la brutalité avant aussi. Ouais. Mais on n'a jamais fait de bouquette. On a la qualité des repas a quand même augmenté. Oui, ce serait bien. Mais j'ai rien dit, moi, des achats. Moi, il y avait une mesure que j'ai posé mettre de proposer, c'était soit de monter les repas à 42 francs, soit la cotisation, mais je me suis dit, je vais me prendre une volée de moi-même. Non, surtout pas, on a déjà vécu ça. Mais voilà, donc j'y ai pensé, je l'avoue. Mais monsieur Kettenacker peut peut-être nous expliquer pourquoi on ne peut pas augmenter nos prix. Alors, je peux vous l'expliquer, oui et non. Il y a une partie d'histoire que je ne maîtrise pas. En tout cas. Monsieur Bandler j'avais proposé déjà et il m'avait dit que si on augmentait nos prix, la mairie diminuerait d'autant la subvention. Donc pour le moment, je préfère qu'on reste à 5 francs. C'est les propos de mon prédécesseur, on pourra en discuter le moment voulu. Maintenant, c'est peut-être pas maintenant qu'il faut avoir ce genre de discussion, mais pour nous, c'est vrai que c'est important dans l'identité du projet d'avoir vraiment une cuisine qui soit accessible. Je pense que c'est ça vraiment qui fait votre force et votre différence. Donc peut-être plutôt essayer de se donner encore les moyens l'année prochaine, comme vous le proposiez, comme on a déjà discuté, plutôt travailler sur le volume, parce que je pense dans ce que vous cuisinez, il reste encore des invendus. Donc c'est des noms. Alors c'est peut-être ça, pas ça qui va sauver les finances. Non, non, le niveau des invendus, c'est la dernière fois qu'on a fait des spaghettis avec sauce bolognaise et sauce carbonara. Il nous reste un petit peu de sauce bolognaise, donc ça sera pour la prochaine fois. Et maintenant, avec le congélateur, on peut garder ce genre de choses qu'avant on ne pouvait pas. Et de mercredi dernier, qui étaient les pommes de terre, et là, parce que là, je l'avais utilisé pour la soupe. Mais malgré tout, je vais même donner aussi une ou deux explications de pourquoi il y a les tickets, les caisses qui ont augmenté. Je vais d'abord finir. Non, il y a pas de souci à dire. D'accord, merci. Quand je choisis les produits pour les faire, que ce soit des pommes de terre ou autre, ou que sais-je encore. Je ne cherche pas absolument à prendre le moins cher, mais à prendre ce qui est le plus facile à cuisiner. Je préfère, et de très très loin, prendre une bonne grosse pomme de terre pour la peler et la couper, que de, pardon de parler comme ça, m'emmerder à me couper les doigts avec des petites pommes de terre qui seraient moins chères. Par exemple, Frédéric. Je parle aussi de mes deux aides, mes deux acolytes, mes deux fofolles, exactement. Alcoolique. Voilà. Donc, je préfère prendre un panier à. Je vais inventer un prix, mais à 20 francs le panier communautaire. Que de prendre un panier à 12 francs, mais on va plus s'embêter que ça autre chose.
Et c'est clair que ça sera beaucoup plus bon à poser. Ça, c'est une réponse parmi tant d'autres. C'est sûr, il y a des amis qui ont augmenté. Il y a depuis la rentrée septembre, on essaye de, même encore avant déjà, on essaye de proposer au moins une fois par mois un repas qui soit un peu plus, je ne veux pas dire cher que ce que, les repas coûtent. Mais si on prend ce mois-ci, le gigot d'agneau, à 5 francs par personne, on ne le trouve pas. C'est pas possible, ou alors c'est pas du gigot, et encore moins de l'agneau. Le mois d'avant, on avait, je ne sais plus ce que c'était, c'était peut-être le poisson, j'avoue ne peux plus m'en rappeler. Bref, c'est une décision qui avait été prise à l'époque en petit comité. Et, en grand comité. En grand comité. Et qui parce avait été proposée, laisse-moi finir la phrase. Et qui avait été ensuite présenté au sein de l'Assemblée, et tout le monde avait dit, quasiment tout le monde avait dit, oui, on est d'accord. Très bien. Partant de ça, cette année, le repas concernant le gigot d'agneau, qui tombe pendant les fêtes de Pâques, le prix ne sera pas de 5 francs, mais de 10 francs. On va augmenter un petit peu, mais ça ne couvrira pas la totalité de dépenses. Ensuite, de ça, qu'est-ce qu'il y a? Oui, le repas de Noël et de Nouvel An, qui est aussi un petit peu plus cher, mais il y a, je crois que les personnes présentes là pourront le dire, il y a quand même pas mal qui a été fait l'année dernière avec des entrées, deux entrées, un bon plat principal, deux desserts, je crois. Voilà. Voilà donc, parmi tant d'autres réponses que je peux amener, le pourquoi de l'augmentation de dépenses. Ensuite, tu parlais, Charles, des invendus. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des invendus, ou secrétaire local, je ne sais plus, ce qu'il faut savoir au niveau des invendus, c'est que si nous pouvons bénéficier de ces invendus, ça devient difficile, premièrement, de pouvoir monter un menu pour 20 à 30 personnes avec ces invendus, premièrement. Deuxièmement, il me semble que l'association doit ne pas encaisser d'argent par rapport à ces invendus, mais là je confonds peut-être avec autre chose, mais je crois qu'il y avait eu quelque chose comme ça, il me semble. Pour pouvoir bénéficier de ces invendus, il faudrait, là j'essaie de creuser dans la mémoire. Ah, tu parles des invendus de par exemple, il me semble. Il faut avoir le statut de. Ça ne me revient pas. L'association d'utilité. C'est l'équivalent. Oui, je crois quelque chose comme ça. Ou être reconnu comme. Faisant de l'action sociale ou. On peut volontiers poser ça ensemble si vous voulez. Ça peut être encore une autre dimension qui est de sensibiliser les gens
repas. En plus de nous offrir une certaine, un socle financier un peu plus confortable. Parce que là, il y a un équilibre encore à trouver, qui n'est pas encore totalement trouvé cette année. Du reste, quand j'ai proposé ça, c'est parce que j'habite en dessous de la micro du Palais, au Mans aussi, et il y a qui vient une fois par semaine prendre les menus pour refaire dans le cadre de fourniture de repas pour les gens comme une pandémie. C'est pour ça que j'ai proposé. Partage, il n'y a pas de repas. Partage, on ne peut pas parce qu'on revend le produit. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais la, que... La totalité pour 5 francs. Et tu as un problème avec les invendus, c'est que tu ne peux pas prendre. Bien sûr. C'est ce qu'il a dit à mon lit, tu ne peux pas faire ça, c'est pas ce qu'il a dit. Je suis tout à fait d'accord. Après, moi, ça me dérange absolument pas de faire un menu comme ça, avec ce que j'ai. Mais je préfère que les gens soient avertis, en l'occurrence, on essaie de faire pour le mois, plutôt que de dire, ah, mais la semaine prochaine, qu'est-ce que ça sera, puis de dire, j'en sais rien, c'est selon ce que je vais trouver. Bien sûr. Non, et puis les gens aiment bien savoir d'avoir ce qu'ils vont manger. Les invendus, ce n'est pas non plus de la mauvaise qualité. On sait très bien que le niveau, c'est les limites jusqu'au 14, puis 14 de nos invendus, alors que le produit est encore. 3-4 euros, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je mets un bémol par rapport au moins bonne qualité. Je fais le conseil de la solidaire à déjeuner. Évidemment que le riz et la farine, ça ne pas si mais des fois, je me très bon. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je fais vraiment pas de temps. C'est le prix, c'est la une semaine après, 10 jours. Et comme vous dites, on peut essayer de se voir une fois, pratiquement assez vite, pour qu'ils sont discutés d'abord du rapport, quelles sont les solutions et les idées qui pourront en sortir. Maintenant, ce que je peux encore rajouter depuis quasiment le début de cette année, enfin, depuis décembre, il me semble même, nous bénéficions actuellement au niveau de la Nouveau, quand on fait les achats, de 5% de moins à payer. Ce n'est pas énorme, mais nous commençons à se dire sur 150 francs, ça ferait donc 7,50. 7,50 sur un achat de fait. Et quand on commence à couler sur plusieurs semaines, ça peut commencer à faire une somme assez importante. Voilà, j'ai essayé d'amener des éléments de réponse. J'espère que j'ai pu bien du moins en partie. Et ça vaudrait la peine pour d'autres. Je ne vois pas qui, une fois à la micro, une fois à la COP au Grand Saint-Connais, une fois ici, une fois encore aller à Merlin. Généralement, les courses, j'essaie de les faire le mardi pour le mercredi. S'il faut commencer à prendre deux jours pour faire des courses, moi, ça ne m'intéresse pas. Pardon de le dire comme ça, mais... En plus, il faut penser qu'il n'y a pas de voiture, hein. Ouais. Ça. Donc, perdre mon temps à aller, je ne sais pas... Ramener la marchandise depuis, je ne sais pas, Fuga Rouge, ou depuis l'autre côté du canton en bus. Je le fais une fois pour dire que je l'ai fait. Je ne le fais pas deux fois. Je préfère. À ce sujet-là, je t'ai renseigné que je te l'ai dit.
J'ai Prodega qui est le pendant de l'Aligro, mais qui est vraiment ouvert aux professionnels. Ils autorisent l'association à avoir une carte chez eux. Donc Prodega se trouve dans l'Amérique, dans la région Merlin-Saint-Denis. Mais il faut qu'il y ait au minimum 5 000 francs d'argent par an. Actuellement, on en est à combien? On est à 6 500. Mais faudrait que, ça veut dire qu'il faudrait que tu fasses tous tes achats chez Prodega. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un moyen. Que... Vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas de stock, c'est ça qu'on a. Et puis je ne veux pas de stock. Si, là, on doit prendre le matériel de vaisselle, le matériel des boissons, le café, sans aucun problème. On va aller juste à trouver comment faire pour les achats avec un véhicule de marque. Alors, on passe à un concept de l'ordre du jour, rapport des vérificateurs des comptes. Monsieur Mancini, pouvez-vous nous livrer ce rapport? Conformément au mandat que vous nous avez confié lors de notre dernière assemblée générale statutaire, nous avons procédé le jeudi 28 mars 2019 à la vérification des comptes de l'exercice 2018 de l'association Repas à Saint-Fruits. Les pointages effectués ont démontré que la comptabilité est intégrale et exacte, que le bilan et les comptes des pertes et profits reflètent la réalité et que la gestion financière est conforme au mandat que vous avez confié au comité. En conclusion, nous recommandons d'approuver les comptes annuels de l'exercice 2018 présentant une perte nette de CHF 6 123,18 francs, pour un total de bilan de CHF 28 058,96 francs et de données décharge 25. C'est 25. Ah oui, 25, évidemment. Oui, 28. Vous pouvez passer par les bouffées. 25 058,96 francs. Et de donner déjà au comité pour sa gestion financière. Merci, mon vrai. Merci, merci. Vous avez entendu les différents rapports. Avez-vous des remarques ou des questions concernant l'ensemble des rapports? Rapport de la présidente, rapport du trésorier, rapport du vérificateur des comptes. Si ce n'est pas le cas, vous connaissez le principe, qui les accepte? Qui les refuse? Qui s'abstient? Pour les autres, oui. Point 9 de l'ordre du jour, élection du comité. Faisait donc partie du comité Lucel, l'ancienne cuisinière, Frédéric et moi. Lucel ayant trouvé un travail, nous a quittés. Ensuite, Jean-Charles accepte d'intégrer le comité en tant que trésorier. J'étais forcé à mettre une couteau d'autre. Menteur. C'était pas un couteau. Et Sandra aussi, notre cuisinière, qui accepte aussi de rentrer au comité en tant que de secrétaire. Frédéric et moi, on se présente. Vous pouvez vous subir. Oh zut. Ça me tient. On passe donc au vote. Qui accepte
Mancini était premier vérificateur et sera donc sortant. Angela était deuxième vérificateur. Chris. Oui, ben voilà. Je sais pas, je monte. Oui, voilà. Tu viens donc premier. Première. Michel Renaud était suppléant et devient donc deuxième vérificateur. Donc il nous faut un suppléant. Michel Renaud. Qui se propose? Cela ne nécessite qu'une petite heure de travail par année et généralement dans la bonne humeur. Corinne! Super, merci. Suppléante. Je crois qu'on peut l'applaudir. Point 11, propositions individuelles et diverses. La commission de révision des statuts a enfin réussi à mettre à jour mon statut. Je profite pour remercier les participants de cette commission. Les nouveaux statuts sont disponibles sur les tables. Il y a aussi une copie avec les corrections qu'on a faites. En réalité, rien n'a changé en profondeur. On a juste fait un peu de cosmétique pour être un peu plus en adéquation avec ce que nous faisons. Y a-t-il des remarques? Donc, qui accepte les statuts tels qu'ils sont sur les tables? Et puis on va voir.
disposition dans la cuisine pour le nettoyage. Mmh. Ben, moi, je trouve que c'est pas assez. Il faudrait des produits pour nettoyer mieux que ça. Et puis la panneuse là-bas, il faut la changer aussi. Non, mais... Ah ouais, ça, c'est la faute de ça. Alors, à l'époque, je m'étais mis d'accord avec la dame qui nettoyait ici pour qu'on puisse avoir la panneuse propre, mouillée, humide, avec le produit dessus, jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite, ça allait nickel. Depuis qu'il y a la nouvelle personne, non seulement je n'ai pas encore réussi à savoir qui c'était, je n'ai pas encore réussi à la fin nettoyer ici, et je sais que c'est nettoyé, parce que le matin quand on vient, le mercredi, des fois il y a encore un petit peu d'eau de nettoyage au sol. Mais je n'ai pas encore réussi à trouver l'heure à laquelle la personne vient. Le nom est ici. Tu dors ici. Oui, aussi. Tu as une opinion. On a dit qu'on regardait avec service et location. Oui. Parce que c'est une entreprise maintenant. Oui, c'est la bibliothèque, la bibliothèque. Oui. Il est là. Alors, il faut rencontrer cette personne. Oui. Puisse essayer d'en mettre quelque chose en route, en place. Oui, c'est ceux qui font l'école aussi. C'est l'école et l'éducation. Non, mais le service que vous employez pour le nettoyage, ça ne vient plus maintenant, mais c'est... Vous dites le nom d'entreprise qui fait ça? Je crois qu'il y a pas mal de prestataires sur les différents... Non, mais c'est les mêmes qu'à l'école. Demandez à madame. Qui nettoyait et nous, je voulais pas que ça devienne quelque chose de, je veux dire, d'officiel avec prise de contact. Je voulais juste le petit truc. Est-ce que c'est possible ou non? Si c'est possible, super. Et une fois de temps en temps, je laisse une petite bouteille à l'intention de la personne. Si c'est pas possible, ben voilà, c'est pas possible. Et à ce moment-là, je vous ai dit. Voilà, c'était ça. D'autres propositions, d'autres idées, d'autres questions? Les personnes qui sont venues m'aider entre la fin de l'année et le début de cette année. Alors, j'arrive. Il y a déjà. Ça, c'est pour toi et ta fille. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est pour toi. On va pouvoir tenir un coup de main. Avec mon épargne. Et oui. Ensuite, Rogéa. Quoi? C'est ta faute. Ça, c'est pour toi. C'est pour le remerciement de tout ce que tu vas faire. Il y a longtemps, dans notre siècle. Merci beaucoup. Et puis enfin, je voudrais qu'on fasse un hurra, un acclamant, des applaudissements, pardon, à tout moment pour elle. Assemblée générale, et je crois à certaines personnes ici.
Elle a été menée au pas de charge, mais bien, très bien structurée, donc merci beaucoup. Cela dit, je ne vais pas que vous remercier pour la gestion de cette séance, mais pour tout ce que vous faites, vous toutes et tous, toute l'année durant, c'est vrai que c'est un projet qu'on soutient financièrement, c'est pas pour rien. C'est pas que vous avez mis tout sous la gorge, vous savez, de la cohésion sociale, c'est qu'on croit au projet. J'ai beaucoup aimé le fait que vous rappeliez ce soir les objectifs mentionnés dans les statuts. C'est des beaux objectifs qu'on a envie de défendre, de valoriser dans les limites des moyens qu'on a à disposition, mais ce n'est pas forcément que par des moyens financiers. Je vous l'ai dit, c'est peut-être, ça incombe peut-être à mon rôle de parrain qui a été officialisé ce soir. Je suis là aussi pour vous, pour vous mettre en relation avec d'éventuels partenaires, faciliter certaines démarches. En tout cas, j'ai le souhait que ça continue ici. Les deux, trois fois où je suis venu partager un repas avec vous, c'était des moments très, très cordiaux. J'ai vraiment apprécié. C'est de l'action sociale dans toute sa simplicité. Et finalement, c'est ça qui est essentiel. C'est se retrouver autour d'une table et d'un bon repas. C'est comme ça qu'on crée des liens. C'est les premiers liens sociaux, quelque part. Donc, je vous remercie pour ce travail. C'est une action modeste, mais très, très riche. Merci pour le travail que vous faites.